On a quitté Santorin hier soir à minuit. On a navigué toute la nuit, là c'est le matin. On arrive à Amorgos. Il est 6h30 du matin, c'était une nappe de nuit. Il y avait une quarantaine de milles en tout. Et voilà par quoi on est récompensé. Et donc voilà, après 8 heures de navigation de nuit, nous sommes arrivés sur l'île de Amorgos et on est dans la baie et aussi la capitale, le port de Catapola. On vient juste d'arriver, on vient d'ancrer. Le soleil est à peine en train d'apparaître derrière la montagne. Il y a un tout petit roulis, on entend le bruit des vagues. Alors après tout ce qu'on s'est pris cette nuit, ça fait grand plaisir. Là, je crois qu'il y en a plusieurs où on va aller se coucher tout de suite. Tellement on est crevé d'avoir fait une longue nuit. Voilà la baie de Catapola. Et juste ici, à quelques encablures du bateau, il y a une petite chapelle toute mimi. Et on est littéralement dans une petite crique. Je me suis rapproché pour ancrer. On a lâché l'ancre à 5 mètres de profondeur. Là, tout de suite, il y a 12 mètres de profondeur et on a mis 40 mètres de chaîne. Sachant qu'on va rester que 4 heures parce que juste après, et c'est la raison pour laquelle on a fait la nef de nuit pour arriver ce matin ici, juste après, on nous amène, et on a un nouveau moteur qui arrive par le ferry de Athènes qui arrive à 13h05. Et il est 7h40. Moi, je vais aller me coucher. Samedi 30 juillet, Amorgos, je suis au port. On était ancré ce matin dans un petit truc de rêve et il y a le gros ferry qui arrive qui doit nous livrer notre nouveau moteur hors bord. C'est là-dedans qu'est notre moteur hors bord. On va voir si j'arrive à le récupérer. Incroyable mais vrai, le moteur est arrivé. Et c'est un moteur tout neuf. Je suis bien emmerdé avec un moteur tout neuf, je sais pas comment faire. Et voici la promesse de ce midi. Après avoir récupéré le moteur sur le gros bateau, le speedboat, on l'a installé, on a mis l'ancien moteur dans la cale avant et là on va déjeuner, manger le meilleur kebab de Grèce. Il y a une partie de l'équipage qui est installée ici, l'autre partie là, et la dernière partie est sur Au Darling en train de faire la sieste. Petite scène de vie au mouillage, le soir à Agormos. Les enfants dînent à l'intérieur. Les adultes mangent à l'extérieur. Moma est en train de faire 1 kg de pâtes. Et des œufs et du bacon. Des œufs et du bacon. Là, il y a un énorme réfrigérateur. Là, il y a tous les œufs qu'on va manger ce soir. Ce qu'il nous reste en légumes, ce qu'il nous reste en fruits. L'huile, les jus. Là, il y a Mousse. Mousse, il dit que la navigation, c'est une histoire d'appuyer sur des boutons. Et Agnès, elle est en train de nous râper 1 kg de fromage pour mettre sur les pâtes. Et voici notre mouillage du soir.
Coucou Bou. Ça c'est Tarek.